Je suis agricultrice. Mon parcours est très particulier. Bon, j'ai fait un bac D, qu'on appelait avant bac scientifique, bac D. J'ai fait l'université de biologie, donc j'étais en biologie. Dans la ferme ARL à Caninetta, vous pouvez voir des plantes médicinales. Il y a aussi des fruits. Je fais aussi un petit peu de culture maraîchère, de la salade, des concombres, un petit peu, pas beaucoup. Disons qu'au départ, j'étais chômeur. D'accord. J'étais chômeur et mes parents étaient agriculteurs. Donc, je suis sur les terrains de mes parents. Voilà. Et le fait que je ne trouvais pas du travail, j'étais inscrite à la NPE, je me suis fait l'idée de m'installer. Et j'ai commencé à faire des démarches auprès de la chambre d'agriculture. Et je me suis installée, j'ai demandé à mon papa un bout de terrain. J'ai connu une initiative Guadeloupe grâce à ma comptable. Parce que j'avais déjà une structure qui était déjà faite pour l'abattage de volailles. Mais il me manquait du matériel à l'intérieur. Et avec les banques, il n'y avait pas moyen de faire un prêt. Donc depuis 10 ans, j'ai galéré pendant 2 ans à faire des recherches, à voir comment faire pour acheter mon matériel. Et comme ça prenait un petit peu trop de temps parce que les matériels sont chers, donc la comptable m'a dirigée vers l'initiative Guadeloupe qui m'a fait un prêt d'honneur. Et là, j'ai eu mes matériels. Impeccable, initiative Guadeloupe.